Bonsoir. Ouh. One, two, three. One, two, three. C'est un test. Vous êtes prêts à vous chauffer un peu ce soir avec nous? Oui, ça va venir. Dans mes jours et mes nuits, dans mes plus fortes envies, dans mes actes manqués, où l'ivresse des sommeils, dans les vallées obscures, l'ennui ou l'aventure. Moi je veux te donner toujours la première place. Merci beaucoup. Sur le chemin que j'emprunte,
Merci beaucoup. Alors, c'est une joie de pouvoir jouer devant vous ce soir. On vient de terminer, enfin, il y a une quinzaine de jours en arrière, une petite tournée qu'on a pu faire dans la région de Longwy vers la frontière belge. Et on a essentiellement joué dans les bars. Et c'était un public assez intéressant. Et dans un des endroits, dans un des petits villages, le maire était tellement enthousiaste qu'il a fait un petit discours, parce qu'un maire, il ne peut pas faire autrement que de faire un petit discours. Mais il nous a offert le champagne. Alors je dis ça souvent, quoi. Dans les églises, on ne nous a jamais offert le champagne. Mais là, dans les bars, on nous offre le champagne parce que les gens, ils sont tellement touchés par ce qu'on apporte et ce qu'on fait. Et le maire avait souligné le côté spirituel de notre musique. Alors on est content de savoir que notre musique est un peu spirituelle. Et cette chanson qui suit est un peu une classique de notre répertoire maintenant. Elle a été écrite suite à un passage en prison. C'est une première fois où j'ai eu l'occasion d'aller dans une prison, c'était celle de Loos, à côté de Lille. Et on était devant nous on avait des baraques qui faisaient un peu de la muscu à longueur de journée. On nous a enfermés avec 70 détenus et un gardien. Et s'il y avait une émeute là, ils auraient fait qu'une bouchée de nous. Mais à un moment donné, lorsque je leur ai dit simplement qu'on n'était pas venu pour leur faire la morale ou la leçon, mais on était venu parce qu'à nos yeux et aux yeux de Dieu, ils avaient encore de la valeur. J'ai vu ces gaillards commencer à pleurer. Parce que peut-être pour la première fois de leur vie, quelqu'un leur disait qu'ils avaient encore de la valeur. C'est l'endroit du décor. Les bleus, ça fait longtemps qu'ils ont déserté le quartier. C'est un no man's land, personne ne peut le contrôler. Tous les chats sont gris et c'est le règne de la peur. On hurle avec les loups, chacun dans son secteur. La loi de la survie, c'est la seule loi des banlieues. Pas de place pour les faibles ni les gens trop vertueux. Quand tu cries dans la nuit, la douleur de l'ennui. Sans espoir de sortir de la cité des maudits. Quand la vie semble inutile et que la coupe est trop pleine. Y a-t-il vraiment personne pour partager ta peine? Je te comprends. Je te comprends. C'est la zone d'exclusion. Des mots comme avenir sont rayés du jargon. C'est un lieu sans visage que le monde abandonne. Odile et Autroc, on peut compter sur personne. Le grand frère est en tournée à l'ombre des violons. Le père est en chômage, la mère en dépression. La violence a plongé les gamins sans innocence dans cette jungle anonyme de la non-appartenance. Toi tu marches sans raison dans ces rues sans couleur. Plus rien ne te surprend dans ce caveau de l'horreur. Tu te dis dans ta tête que ta vie n'est pas ici. Y a-t-il vraiment personne pour te sauver de l'oubli? Je te comprends. Soir. La foule assiste en masse à un spectacle noir. Un condamné à mort sur une travée de bois pousse un dernier soupir au milieu du désarroi. Ses pieds et ses mains sont percés par des clous. Il porte sur son corps les marques des coups. Il y a du sang et des larmes, le hurlement des femmes, des soldats en armes et des juges qui ricanent. Toujours il a aimé,
Toujours il s'est donné pour le pauvre et l'aveugle, pour tous les rejetés. Son amour est le même pour les banlieues décimées. Son esprit crie en nous, je peux tout transformer. Son esprit crie en nous, je peux tout transformer. Son esprit crie en nous, je peux tout transformer. Il te comprend. Il te comprend. Il te comprend. Il te comprend. Comment tourner la page, éviter le naufrage, trouver la dignité, me défaire de
Merci beaucoup. Reclus dans la pénombre des cathédrales, trop loin de nous dans votre austérité, si mystérieux sur votre piédestal, les anges et les saints dans la lumière, c'est insensible à ma pauvre prière. Vous aviez l'air fâché sur les images pendues au mur des fraîchis des églises, trempés dans vos habits du Moyen-Âge, indifférents aux hommes et à leur crise. On m'avait dit que vous étiez sérieux, vous n'aviez pas d'humour, vous étiez silencieux. Depuis le jour où je t'ai dit tu sais ton amour qui m'a confondu, depuis le jour où je t'ai dit tu sais ton amour qui m'a confondu, non je n'aurais jamais cru que tu étais si près. Croyais que tu habitais le ciel, mais ton sang a coulé sur notre terre. L'histoire de ta passion est bien réelle, et aujourd'hui je peux t'appeler père. Depuis le jour, c'est ton amour. C'est ton amour.
Vous savez bien qu'il y a un temps pour tout. Et il y a un temps pour le blues. Marchands de tapis, aux PME, aux ouvriers, salariés, retraités, comprenez. Nous sommes victimes d'une dépression. Devons effectuer des compressions. C'est le temps de la mondialisation, de la rationalisation, des pressions et des suppressions. Avis aux paysans de ce pays, comprenez, les produits de première nécessité sont devenus si bon marché. À l'étranger, vous devez vous adapter au marché, vous diversifier, peut-être vous recycler, en tout cas vous regrouper, vous développer. Merci, oh merci pour ce qui a déjà été fait. Nous, les menteurs, les profiteurs, les voleurs, les décideurs, voulons un monde meilleur. C'est pas fini, même en catimini, dans les bureaux dorés, les yeux usés ne font que scruter des écrans bardés. Le dollar ou l'indice Dow Jones ne fait que descendre, monter comme les palpitations de ton cœur. Il faut être meilleur, toujours en progression, en expansion, en compétition, si tu veux toucher ta commission. Genoux devant le dieu maman, guitare. Nous, les menteurs, les profiteurs.
Merci beaucoup. Il commence à faire chaud. C'est une chanson un petit peu politique, vous êtes aperçu. J'avais envie de dire quelque chose aux plus jeunes, pas ceux qui sont déjà établis dans leur job ou leur ministère, mais peut-être qu'il y en a qui se disent oh, c'est super d'être sur une scène, j'aimerais bien y être aussi un jour. On a un Larsen. C'est chez moi ? Ok, je tourne un peu. Ok. Moi, quand j'étais gosse, je me souviens que j'avais entendu, les plus anciens se souviendront peut-être, un gars qui s'appelle Gilles Bernard, qui faisait de la chanson française. Et ça m'avait touché quand j'étais gamin. J'avais vu ça. Il jouait, il y avait un type avec l'orgamone et tout. Et c'était la classe, ça m'avait touché. Et à 14 ans, quand j'avais 14 ans, le Seigneur m'a déjà mis à cœur de faire de la musique pour essayer de parler de Jésus et puis de toutes les autres choses qui sont autour, aux gens autour de moi. Et depuis ce temps-là, ça ne m'a jamais quitté, mais je voulais vous dire un truc aux jeunes qui auraient envie de se dire « Moi, je veux être un jour sur une scène pour faire des choses. » Je vais vous dire un truc, mais ce n'est pas pour vous décourager. Je vais vous dire juste qu'il faut savoir, il y a un prix à payer. Ce n'est pas pour vous dire « Non, non, attends mon petit gars, monte pas. » Non, surtout pas. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu as reçu quelque chose dans ton cœur pour suivre le Seigneur, que ce soit sur le domaine artistique, mais là, bon, je parle en particulier pour cette situation, par exemple, d'être musicien. Si tu as reçu quelque chose sur ton cœur, ça ne va pas être facile, ça va être dur. Et c'est normal. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Mais persévère. Et je voudrais vous chanter quelque chose qui parle de quelqu'un qui a aussi payé, qui savait ce que ça voulait dire de tout donner. Ça va peut-être vous étonner. De la part d'un réformé, évangélique et suisse de surcroît, de chanter cette chanson. Elle parle d'un catholique que vous allez reconnaître. Et j'aimerais lui rendre un hommage ce soir. Derrière ton binocle malin, tu scrutes les hommes, vas-tu trouver du bien ? Des puissants, tu te moques. Enfin, tu prends pas de gants, ça serait mesquin. Ta barbe en bataille dissimule à peine des lèvres serrées par l'urgence, par la peine. Mais si prends à parler sans détour, à dire l'évidence de l'amour. Adieu l'abbé, mon frère. Adieu curé, t'étais un père. Un homme entier, un homme vrai, qui a vécu ce qu'il disait. Adieu l'abbé, mon frère. Adieu curé, t'étais un père. Un homme entier, un homme vrai, qui a vécu ce qu'il disait. Le sourcil fatigué, mais l'œil perçant, tu mets à nu nos faux semblants. Je veux garder en moi, au présent, cette force pour convaincre, ce regard pressant, tes oreilles décollées comme guettant la réponse que tu attends. Ton seul souci en partant, entendez-vous ce cri? Qu'allez-vous faire? Avez-vous compris? Adieu l'abbé, mon frère. Adieu curé, t'étais un père. Un
homme entier, un homme vrai, qui a vécu ce qu'il disait. Adieu l'abbé, mon frère, adieu curé, t'étais un père, la voix de celui qui a dit, si vous donnez un verre d'eau à l'un de ses plus petits. Merci. Changement de registre. C'est un peu dur, hein, après ce qu'il a chanté. Il a une tellement belle voix. Il chante bien, hein. C'est mon cousin. Thank you.
Merci beaucoup. Alors, ce soir, le privilège de vous présenter certaines de nos nouvelles compositions. Donc, si de temps en temps, vous voyez un blackout, c'est pas un problème du sonorisateur, c'est qu'on a oublié les paroles. Jusqu'à présent, ça se passe bien, plus ou moins. Et une des chansons, nos textes sont inspirés des contacts, des rencontres qu'on peut faire. Et ça, c'est un chant qui s'appelle, dans le titre, c'est Saint-Laurent. Saint-Laurent, c'est un quartier à Lausanne, mais c'est aussi un lieu où il y a une église. Mais c'est aussi la plaque tournante de la drogue dans cette ville. Et Cyril, qui est derrière moi, qui joue de la basse avec une petite équipe, il va régulièrement là-bas, dans la maison de paroisse d'une église qui se trouve sur cette place, pour donner une soupe ou bien des spaghettis, enfin un petit repas chaud pour les gens de la zone, les marginaux, les toxicomanes essentiellement, mais pas seulement. Et on a eu l'occasion le privilège de jouer dans ce lieu. Alors l'ambiance est un peu différente quand même ici, hein, qu'ici, mais c'est quand même extraordinaire de voir, quand on allume un petit peu de lumière, le bien que ça peut faire autour de nous. Et que c'est dans des lieux comme cela, quelquefois, qu'on a les plus beaux contacts, les plus belles surprises. Titre du chant suivant, Saint-Laurent. Un chant est écrit par un nouveau venu dans le groupe. C'est un novice, il faut le pardonner pour ses erreurs, notre cher Rolf.
C'est un gag, évidemment. Je me suis dit, on s'est trompé de chant. C'était quelqu'un d'autre chanté. Les années ont passé, les tempêtes ont déferlé. On nous regarde quelquefois comme les derniers survivants. Nos traces sont perdues, balayées par tous les vents. Les seuls chemins qu'on voit nous emmènent en avant. Nous resterons debout pour marcher vers la lumière, par le souffle qui nous tient et jamais ne désespère. Jeter mes recettes et les formules à succès, les slogans trop faciles, les sermons photocopiés. J'ai vidé mes tiroirs, les sermons bon marché, les mondes virtuels ont fini par imploser. Force nous a portés et empêchés de sombrer. Quand nous étions à genoux, elle agissait en secret. Commencer avec toi, je repartirai. S'il fallait tout recommencer avec toi, je repartirai. L'épreuve nous a changé, mais nos rêves se sont brisés. Je crois qu'on a grandi en perdant nos illusions. Une main nous a gardés dans les heures d'obscurité. Quand l'angoisse et la folie nous avaient désarçonnés, la grâce qui vient d'en haut a gardé nos cœurs en paix. Et la foi qui nous unit ne nous a jamais lâchés. S'il fallait tout recommencer avec toi, je repartirai. S'il fallait tout recommencer avec toi, je repartirai. S'il fallait tout recommencer encore, ce serait débrouille bien le petit jeune. Hein? Pour un débutant, c'était pas mal. Hein? Juste un petit mot quand même, il y a une chanson, c'est que c'est la suivante, c'est Alexandre, le batteur, qui l'a écrit. On a un petit peu collaboré les uns les autres. Mais je veux juste dire un petit mot aussi par rapport aux choses qu'on fait. On travaille un peu sur deux axes différents, celui de la louange et celui de l'évangélisation. Et là, lors de cette tournée, lorsqu'on était en Belgique, on a joué devant un bar. C'était la fin d'une brocante et puis il y avait une foule assez nombreuse. Et c'était un bon moment. D'abord, la tenancière de la bar, elle avait vraiment le trouillomètre à zéro parce qu'elle n'avait pas vraiment d'autorisation. Elle a téléphoné à la police qui n'était pas trop d'accord. Et puis finalement, on a quand même déballé le matériel. C'était à l'extérieur, sur la rue. Et puis, il y avait passablement de monde. Et puis, le moment était... Pardon ? Quelqu'un dit quelque chose ? Bon, il y a peut-être une voix dans le retour, là, quelqu'un qui me parle. Là. Oui, Seigneur, ton serviteur écoute.
Et puis, c'était un moment formidable. Il y avait toute la rue qui dansait. Et c'était vraiment extraordinaire. Et puis, à la fin, il y avait un brave chrétien qui est venu me trouver et me dit, « Rolf, tu écris encore les beaux chants de louanges que tu écrivais autrefois comme Jésus, mon bien-aimé. » Et j'ai senti le coup de barre de 50 kilos là, qui m'arrivait derrière les oreilles. Alors j'ai dit oui, je viens juste de sortir un nouvel album avec des chants de louanges. Mais il n'a pas fini vraiment ses phrases, mais je sentais une immense déception, l'air de dire, je décodais un peu derrière, « Mais Rolf, qu'est-ce que tu vas te perdre à jouer dans ces bars ?» Vous voyez ? Mais le Seigneur nous appelle à être la lumière du monde, le sel de la terre. Gabriel nous l'a rappelé ce matin. Et quelquefois, la manière d'être le sel du monde, pour nous, c'est d'être tous dans la salière. Mais ça ne marche pas comme ça. Ou bien alors, la lumière du monde, c'est qu'on prend 50 projecteurs de 1000 watts, ça fait 50 000 watts, et on éclaire un confetti. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut un peu de sel, pas toute la salière. Il faut un peu de lumière. Et vous savez, quelquefois, une petite bougie au milieu de grandes ténèbres peut faire une très grande différence. Thank you.
Merci Dilva. Elle s'en est bien sortie. Je lui ai envoyé le deuxième couplet par mail juste avant que je parte. J'ai changé la dernière phrase du couplet, du refrain. Donc, on peut la féliciter doublement. Mais non. Quelqu'un disait, si tu te plantes, fais-le en beauté. J'y suis même pas arrivée. C'est triste quand même. Vous avez chaud ? Non ? Alors, profitez, c'est plus pour longtemps. On va vous faire bosser un peu. Ça va venir. On est suisse, on est un peu lent. On a vu que vous saviez taper dans les mains, ça c'est bon ? Maintenant, la même chose debout. Vous savez faire ça? Allez, plus fort! Trouver ma nouvelle douce.
Merci beaucoup. Vous êtes chaud maintenant. Vous pouvez rester debout, hein, ceux qui veulent. Seulement ceux qui veulent. Puis les autres, ben, asseyez-vous. Je me souviens quand tu m'écrivais que j'étais la seule qui comptait. Ton regard a pourtant changé. Dans ton cœur, tu m'as remplacée. Applaudissez bien fort, une ovation pour Luc. Le groove est en lui.
C'est lui qui a le plus de cheveux entre nous tous. Rolf dira que c'est plus à la mode. C'est mais plus ça la mode, c'est plus la mode. Une ovation pour Cyril à la basse. Je vais vous présenter quelqu'un qui compose aussi des chansons. C'est pour dire que les batteurs, ils font pas que du bruit. Pas que. Et il est venu avec son fan club ce soir. Vous êtes là ? C'est Alex à la batterie ! Dernier là, parce qu'il est timide, il n'a pas l'habitude de jouer comme ça quand il y a autant de monde. Oh, faites un triomphe, mais digne du Stade de France, mesdames, messieurs, pour Rolf à la guitare, à la voix et à tutti quanti. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, ça sonne toujours mieux en anglais. Meine Damen und Herren, des cimes enneigées des Alpes, des fonds bleutés du Léman, des forêts verdoyantes du Jura, comme un délice chocolaté suisse, l'onctuosité du miel du fleur. Alpestre. Mrs. D, diva. Yeah. Oh, oh, oh. Vous êtes toujours là? Yeah, yeah, yeah. Je t'ai donné le meilleur de moi-même. Jamais je ne je t'aime sans que ces mots ne soient usés. Je t'ai donné le meilleur de moi-même. Jamais je ne regretterai. Je veux te
beaucoup. Elle reviendra. Pas dormir longtemps, 10 jours de prix cassé hyper affolant, 3 pour 10% payés dans 20 ans. C'est que je suis pas tellement mathématique, je vais finir avec des tocs ou des tics. Faut que j'achète, faut que je dépense, à laisser s'endormir mes sens, satisfaire mon existence, faut absolument remplir ce vide immense. Faut que j'achète, faut que je dépense, pas laisser s'endormir mes sens, satisfaire mon existence, faut absolument remplir ce vide immense. Yeah, 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 yeah. Je lui pète un gadget. Chaque fois je me sens mal, mais qu'est-ce qu'il en jette? Je suis loin du tuning, même que je vais y laisser mon compte en banque et ma fiancée. Faut que j'achète, faut que je dépense, pas laisser s'endormir mes sens, satisfaire mon existence, faut absolument remplir ce vide immense. Faut que j'achète, faut que je dépense, pas laisser s'endormir mes sens, satisfaire mon existence, faut absolument remplir ce vide immense. Satisfaire mon existence, faut absolument remplir ce vide immense. Faut que j'achète, faut que je dépense, pas laisser s'endormir mes sens. Satisfaire mon existence, faut absolument remplir ce vide immense. Yeah, yeah. Soirée, on vous en voudra pas. Il y a une infirmerie ici, non? Je chante pour toi de toute ma voix.
quand au fond du cœur ta main, je te remonterai le moral. Je chante pour toi de toute ma voix. Et quand au fond du cœur ta main, je te remonterai le moral. Fille solitaire, j'entends le cri de ta douleur, j'ai vu tes larmes, ô petite sœur. Je chante pour toi de toute ma voix. Et quand au fond du cœur ta main, je te remonterai le moral. Je chante prochain chant parle de ces personnes qui ne font que rêver à ressembler à tel ou tel, ces stars qu'on voit dans les magazines et qui oublient d'être simplement elles-mêmes. Et j'ai une spéciale dédicace ce soir pour Jessica.
On va prendre un dernier morceau pour terminer. Sauf si vous en redemandez après. On fera comme si on s'en doutait pas du tout. Non, on n'a rien préparé. On n'a rien préparé. Oh, mince alors. Profite aussi de remercier Pierrot et toute l'équipe technique qui nous ont servi pendant cette soirée aux éclairages, à la sonorisation, bravo, à la vidéo. C'est pas forcément ça, facile de servir un groupe qu'on connaît pas, et beaucoup d'adaptations à faire, et puis on aimerait les remercier chaleureusement pour tout ça. Un dernier mot quand même, puisque c'est notre dernière chanson de la soirée. On est en train de préparer un nouveau CD avec plusieurs des compositions qu'on a ce soir. On a pris quelques copies aussi du précédent CD. Plus qu'un rêve, c'est le titre. On a quelques copies aussi du CD Un peu d'amour, sur lequel il y a le morceau Je te comprends, je le dis parce qu'on me demande toujours ça. Et Luc a également fait un CD, donc on a aussi quelques copies qui sont à disposition en vente au Snack Bar. Mais c'est des originaux, hein. Il dit des copies, ouais, mais c'est pas des originaux, c'est des vrais. Hein. Oui, oui. On ne s'est pas piraté nous-mêmes. Hein. Mais ils m'ont compris, hein. Voilà, alors c'est à disposition. Mais la chose plus importante, peut-être, souvenez-vous ce soir, simplement peut-être de cette parole, que nous sommes appelés par le Seigneur à être le sel de la terre et la lumière du monde. Et peut-être qu'il y a quelqu'un parmi nous ici ce soir, Luc a touché un petit mot quand même dans ce qu'il a dit, ça a l'air de rien, quoi, mais c'est quand même, lui dans sa vie, ça l'a rejoint profondément, quoi. Peut-être qu'il y a une personne ou deux, peut-être plus parmi nous ce soir, qui se disent, mais moi je sais pas où est ma place. J'arrive pas vraiment à me situer en fonction de tout ce que j'entends, tout ce que je vois. J'arrive pas, je sais pas quoi faire avec certains de mes rêves, certaines des idées que j'ai. Et j'aimerais juste vous dire, vous avez cet appel d'être le sel et la lumière du monde, avec les dons et les talents que Dieu vous a donnés. Peut-être qu'il n'y a pas de modèle qui existe pour ce que vous auriez sur votre cœur à faire. Peut-être que vous serez pionnier dans un domaine. C'est fort possible. Mais ça vaut la peine de savoir que si Dieu nous appelle à faire quelque chose, c'est beaucoup mieux de suivre son appel que de faire un second choix et de moisir pendant toute sa vie à côté de l'appel de Dieu pour nos vies et de se réveiller un beau jour à 65 ans à l'âge de la retraite et de se dire mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? J'avais ce rêve à 14 ans, à 12 ans ou à 20 ans ou à 25 ou à 30 ans et je suis passé à côté parce que j'ai jamais osé prendre le risque de faire quelque chose que personne autour de moi n'a fait. Souvenez-vous, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Quand Dieu appelle, il pourvoit. Qui me disait c'est foutu.
opère. Les années ont passé à me défendre et j'ai pas toujours gagné. Mais j'ai fini par comprendre que quand j'accepte de perdre, je peux enfin. On va faire semblant de partir et vous faites encore, encore. On va quand même pas se laisser faire par le maire du fin fond de la Moselle, d'un petit village, non? Ah, Rolf, venez voir là. Avec ça, ils peuvent pas refuser, hein. Avec ça, ils peuvent pas refuser. Ne faites pas semblant, là. Alors, on se souviendra de Gagnère 2007. De mon cœur. Faiblement pour te dire que Dieu m'aime.
dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Merci beaucoup, merci pour votre accueil, votre écoute. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. J'avais pensé à une petite prédication en commençant par lire le psaume 119. Alors on vous invite à vous lever, vous offrir le meilleur. Je t'ai donné le meilleur de moi-même. Jamais.
qu'on fait pour te retenir, te séduire, te conquérir. Mais l'amour ne s'enchaîne pas, il est libre, on n'existe pas. Après tout ce qu'on a partagé, comment croire que c'est terminé? Je suis prête à te pardonner, si seulement tu me demandais. Je t'ai donné le meilleur de moi-même, jamais je ne regretterai. Je veux te dire encore une fois je t'aime, sans que ces mots ne soient usés. Je t'ai donné le meilleur de moi-même, jamais je ne regretterai. Je veux te dire encore une fois je t'aime, sans que ces mots ne soient usés. Merci beaucoup pour votre accueil encore. Et pensez à nous quand vous verrez le CD de Visa sortir. Achetez-le. Merci et bonne semaine à tous. Son micro, hein.